Il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un avion, donc pour voler. Oui, parce que je prends vraiment l'avion pour flotter. L'avion. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans les avions, il y a des règles complètement bidons qui dépassent les bornes des limites. Sérieux. J'ai décidé de faire un petit inventaire de ces règles à la con. Première règle à la con. Tu n'as pas le droit d'avoir de cartouches d'encre dans l'avion. J'ai trouvé cette règle sur le site d'EasyJet. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais voilà, vous pouvez le dire. Que personne ne bouge. Si c'est un attentat à la cartouche d'encre, faites gaffe, sinon je vais mettre de l'encre. Les gars, faites ce qu'il dit, sinon ils vont mettre de l'encre sur nos t-shirts blancs. C'est pas blanc. Ça, c'est vert. C'est quoi ce bordel? Faites ce qu'il dit. Ah ouais, non, en fait, c'est un chargeur. C'est un chargeur d'appareil photo, je me suis trompée. Il y a aussi une autre règle que j'ai pas compris, pas le droit de prendre de photos dans un avion. Genre. De plus, tu n'as même pas le droit d'écouter une musique pendant le décollage. Regarde un pigeon. Il y a aussi les stewards, ou les hôtesses comme tu veux, qui vendent n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Bonjour, j'ai une boîte de Festinavid à vendre. Ça intéresse quelqu'un? Tout Adidas, il y a des déos et du gel douche, tu vois. Oh, il y a un truc à laine. Et du parfum, quoi. J'ai aussi une boîte de lunettes vides, y'a pas les lunettes, je les ai paumées hier soir. Ça vous dérange pas, de toute façon. Voilà. J'ai aussi une boîte d'ice watch qui ressemble à un Lego. Voilà, avant. Si. J'ai aussi du sopalin. J'ai aussi une tringle à rideau. Ouais, j'ai une tringle à rideau pour les intéresser. J'ai une tringle à rideau. Voilà, pour tabasser les mecs. Voilà. Pour mettre des rideaux. J'ai aussi un synthétiseur, donc un piano, sauf que il est pas branché. Et les stewards aussi, ou les hôtesses comme tu veux, encore, merde. Ils comprennent rien. Il y a des personnes dans l'avion qui ont mal aux oreilles. Je sais pas comment ils font pour ignorer la douleur du gars, pour ne pas se rendre compte que le mec a mal aux oreilles et pas autre part. Je sais pas. Bonjour, vous avez un problème? Que puis-je faire pour vous? T'as des mal quelque part? Vous voulez une tringle à rideau ou du sopalin? Ah mais ouais! Ah mais grave! Allez! Aussi les stewards. En fait, du coup, pour soigner ça, les stewards te donnent des verres. Des verres en plastique que tu te tapes pendant tout le décollage. Ou l'atterrissage. Ou les deux. Voilà, des verres en plastique. Quand je suis allée à Venise, au décollage, donc en fait j'étais à Paris, voilà. Il y a deux potes qui étaient derrière moi et qui discutaient, et j'ai réussi à traduire quelques mots qui étaient complètement pas logiques, illogiques. Genre les mecs se disaient ça. Tu sais, si la journée se crash, tu peux appeler ta mère au cas où, juste avant en fait. Tu vois? Le mec a cru que ça allait se passer comme ça quand même. Genre. Comme ça. Louis. Quoi? La journée va se crasher. Tu fais quoi là? T'as pas de lunettes? Ah ouais, merde! L'avion va se cracher. Oh non! Oh non! Il va se cracher! Aïe! 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 J'ai une solution à ça. Rappelle ta mère. Hey, mais t'as grave raison! Ouais! 4! Oh, 4! Ouais, le mans! Ouais, Ah, le mans! Ouais, l'avion il va se cracher! Ouais, donc oui, la vie m'a scratché, donc ouais. Non, j'ai pas mal aux oreilles là. Non, t'as rien compris. L'avion va faire. Tu vois? Oui, donc l'avion va se cracher. Donc voilà, donc je voudrais juste que tu marques sur mon Facebook. Ouais? Tu vas dans. Oui, non, mais. Oui, dans public. Ouais, t'es grave le message, merde. Tu écris l'avion va se cracher, lol. Voilà. Avec un smiley qui sourit et qui pleure. L'avion va se cracher, lol. Voilà. Je vais publier. Ouais, voilà, c'est comme ça. Oui, voilà. Pourquoi tu pleures? Ma mère, toujours en train de s'inquiéter pour moi. Non, mais c'est grave saoulant, quoi. Ah, ça va mieux. J'ai carrément plus mal aux oreilles, là. Hein. Juste. Comment je pisse? Merde. On va essayer.